Bonjour, moi c'est Sylvier, j'ai 32 ans et je suis ambassadrice de MyProtein. Aujourd'hui, je vous fais découvrir mon sport, ma passion, le roller derby. Donc le roller derby, c'est un sport d'équipe féminin de contact qui vient des États-Unis, qui est arrivé en sport en 2009. C'est ce que je dis souvent, c'est une sorte de rugby en pâte à roulettes et sans ballon. Le roller derby, c'est un sport à la fois beaucoup de stratégie mais hyper complexe. On a plus de 60 passes de règles. Donc je vous donne l'essentiel et n'hésitez pas à venir nous suivre aussi le club, sur le roller derby board de club et pour avoir plus de renseignements. Donc on joue sur une piste ovale. C'est deux équipes, quatre bloqueuses, une jammeuse de chaque équipe. Le but c'est que les jammeuses passent les bloqueuses adverses et le but des bloqueuses c'est de bloquer la jammeuse. Au niveau des points, c'est quand une jammeuse passe les hanches d'une bloqueuse adverse qu'elle marque un point. Un match dure 1 heure, demi-temps de 30 minutes, à jam dure 2 minutes. Le final, comme c'est un sport de contact, d'agilité, d'endurance, qui travaille beaucoup de cardio, donc le fitness est indispensable, tout ce qui est gainage, tout ce qui est renforcement musculaire, tout ça. J'ai découvert ce sport grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram, en suivant une roller derby girl de Bordeaux. Et après, j'ai fait l'initiation et après, ça fait 4 ans que je suis à fond dedans. Alors une semaine d'entraînement, c'est le mercredi soir, on fait agilité ou contact. Ensuite, il y a le vendredi soir, c'est scrimmage. Et le samedi, c'est entraînement de 17h jusqu'à 20h. Alors si je dois choisir entre le fitness et le derby, je suis désolée, je choisis le derby. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne de MyProtein et aussi sur la mienne, CJFit. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.